L'un des lieux préférés pour apprécier l'automne à Beijing, c'est l'allée de Dongjiangmingxiang. Il y a beaucoup de monde qui vient y prendre des photos et aussi des photos de mariage. Et c'est là car l'on y trouve l'un des rares complexes architecturaux occidentaux à Beijing. Petit rappel historique, après la deuxième guerre de l'opium en 1860, la dynastie des Qing a subi une défaite et des pays occidentaux ont occupé ce quartier de force. Ce quartier n'a été récupéré qu'en janvier 1950, 3 mois après la fondation de la République populaire de Chine. Voici l'église de Saint-Michel. Elle a été construite par un missionnaire français en 1901. Elle est de style gothique. Voici le site de l'ancienne poste française. Elle a été construite en 1910 et jouxte l'ancienne ambassade de France. En tant que capitale, il existe d'innombrables souvenirs historiques cachés dans les rues et ruelles de Beijing. Cela nous permet d'explorer en permanence le fond de cette ville.